sais pas comment vous appelez Papa Jean Noël, Papa Kangouma. C'est qui vous met à l'aise, c'est à ce l'aise, que vous allez utiliser. Papa Jean Noël, parce que Papa Kangouma, moi je suis très européenne, donc on va se relaxer avec Papa Jean Noël. Nous avons les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus, sont les paroles de la parole. Amen. Donc imaginez-vous que vous écoutiez la parole vous dire des choses. Tous les mots qui sortent de sa bouche font partie de la parole qu'il est, lui, Jésus-Christ, qui est la parole. Et pendant qu'il nous faut être avec Christ, oui, mais nous nous retrouvons avec le christianisme, deux notions tout à fait différentes. Même des enseignements que nous recevons pendant que nous sommes dans le christianisme sont pleins de fausseté. Je vous donne un exemple. Vous dites bien quand vous allez à l'église, mais l'église, ce n'est pas là où vous allez. C'est vrai. L'église, c'est vous qui allez. On est plein de faussetés et pour corriger ces faussetés, il faut que nous reprenions à zéro. Waouh. Mais à vous entendre, l'ignorance est partagée à tous. Partagée. À tous. Et nos pasteurs, nos apôtres, nos évangélistes, nos docteurs, et les... Non, tout le monde porte cette ignorance. Et les brebis, dire. Et les brebis que nous sommes dans l'ignorance. Bon, les brebis, nous pourrons dire oui, c'est comme un enfant qui vient de naître. Donc, c'est avec le temps qu'il comprendra qu'il s'appelle Latina.